Et bonjour à tête, bonjour l'abdi. Ici Kaz, bienvenue sur Warumix, il est temps de faire le point. Oui, niveau 32, on est sur la quête principale, on avance pas mal. Je suis à 10 sur 12, 9 sur 12 sur les chapitres. Par contre, regardez mon sac. Une vraie merde. Donc on va prendre le temps de se refaire un stuff propre. J'ai ouvert toutes les caisses que j'avais de loot. J'ai ramassé tout mon bronze, je suis passé à 4005 de bronze, comme vous pouvez le voir en bas. Ça veut dire que prochainement, on va pouvoir se caler... S'acheter, dépenser des bronzes pour tout simplement s'offrir un nouveau skin, un ensemble d'armure. Alors là, ce que je pêche, je suis en train de trier tous mes trucs. Pourquoi faire? Tout simplement, c'est quoi ce truc là? Métagème. Tout simplement pour refaire mon stuff, bien être sûr d'utiliser ce qu'il y a de plus haut niveau. Et on va regemmer tout ça proprement pour avoir un truc un peu cohérent. Voilà. Donc déjà, on va enlever. Non, on va pas enlever. Tête. Tête est la 49 actuellement. Est-ce que j'ai un home 63 ici? Donc c'est mieux. J'ai un home 63 là. On va regarder, il y a tout ce qui est tête. Ok. J'ai un home 78. D'accord. Donc ça sera pas ni 63, ça sera du 78. Ok. 78. Donc j'ai deux homes en 78. Maîtrise ou critique? Maîtrise, j'aime bien. Hein. Pour rappel, toucher un ennemi avec frappe mortelle, frappe du colosse et tempête de lame inflige blessure profonde qui inflige 50% de dégâts supplémentaires et de dégâts saignement, etc. Donc oui, on va se mettre de la maîtrise. J'enlève les gemmes sur mon ancien stuff, bien sûr. Ok, donc ce que je recycle, pour sûr, je le mets là. Ensuite, nous avons les épaules. Épaules, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'est un brassard. Ça, c'est une tête qu'on recycle, du coup. Ça, c'est un torse. On va essayer de faire un tri. Torse, poignet, épaule. Épaule. Épaule, épaule. Main. Épaule. Main. Torse. Pied, on verra plus tard. Tête, c'est fini. Pied, c'est là. C'est un vrai bordel, on est d'accord. Main, c'est ici. Jambes, c'est pas encore. Taille, c'est pas encore. Taille, c'est pas encore. Ça, c'est une arme, on verra après. Les pieds, c'est là-bas. Les jambes, c'est ici. Les pieds, c'est là-bas. Ok. Donc, en épaule, j'en ai 3. 63, 63, 63. Et j'ai équipé du 63. Bon. Alors, on va regarder ce que j'ai. Je vais dégémer quand même. On verra par la suite. J'ai 63 partout, critique, polyvalence, évitement, critique. Je vous avoue que la polyvalence augmente les dégâts infligés, les soins prodigués et réduit les dégâts reçus. Donc plus de dégâts moins que je mets et moins que je reçois. On va partir sur la polyvalence. On va équiper celui-ci. Donc je perds mon skin, c'est pas bien grave. La cape, c'est la cape. Pour rappel, regarde un petit peu, elle est e-level 154. Voici les bonus de ma cape. Force plus 57, endurance plus 180, critique plus 34, hâte 94, ponction 14, maîtrise 118, vitesse polyvalence et gain d'expérience plus 40%, c'est énorme. On a parlé, donc les épaules c'est fait. Hop, ça part au recyclage. Tout ça c'est recyclage, le doudou. Ensuite on est sur le torse. Les torses, j'ai pas beaucoup le choix, j'en ai que deux. 69, 69 et j'ai équipé de 54. Donc mon 54 est moins bien, on le dégemme tout de suite, on récupère la gemme, hop hop hop, on fout ça ici. Torse, 69-69, endurance ponction, endurance évitement. Ponction j'aime bien, c'est du vol de vide simplement, j'équipe. Ensuite nous passons au poignet. Poignet, je dégemme, torse je le vire, hop hop. Donc poignet nous étions sur un 44, j'ai un poignet 72, donc là on pose même pas de questions. Poignée 72. Ensuite, nous avons les mains. Les gants, je dégemme. Nous étions sur un gant 46. On a du 60. 75. Hop. Pas de questions à se poser. On prend les gants les plus forts. 75. Ensuite, nous avons les pieds. La taille, on va faire dans l'ordre. La taille, elle est ici. C'était une de 66. On va la dégemmer. Il y avait... plusieurs gemmes là-dedans. Il n'y a pas plusieurs gemmes maintenant, avec une seule. J'ai bien tout dégémé, hein. Ok. C'est une 66 pour la taille. J'ai la 66 partout. Donc ça ne change pas grand chose. Maîtrise, polyvalence, maîtrise. Maîtrise, je le rappelle.
Maîtrise, c'est pas mal, mais polyvalence, c'est bien aussi. On va repartir sur la polyvalence, j'ai trop de maîtrise là, je trouve. Voilà, un peu plus de polyvalence et moins de maîtrise. C'est fait. Nous restent les jambes. Au jeu des gemmes. Une. Deux. Voilà. Est-ce que j'ai bien tout dégemmé là dans mon... Je sais pas, des trucs qu'on avait double gemme. Ah si, regardez. Bah j'ai oublié. Voilà. Ça serait quand même dommage de perdre des gemmes. On est dans les jambes. On a beaucoup de jambes là. 69, 69, ok. Donc 54, non. Par contre 69, c'est l'évitement ou l'évitement. J'ai pas le choix. Ce sera de l'évitement. Et enfin les pieds. Les pieds, hop. On dégemme ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? On avait du 60. On a du 75, 75, 75. Et du 60. Donc, 75. Évitement, vitesse, hâte. La hâte, c'est bien, hein. Augmente la vitesse d'attaque. La hâte, c'est parti. Donc là, on a bien rééquipé tout un slot d'items. On va regarder par contre l'arme. Je vais la relever. Ok, donc l'arme, j'avais le choix entre ça et ça. 69, bon bah, pas de questions à se poser. 69, je prends. C'est une deux mains. Une hache de main. Voilà. On va donc maintenant, pour faire de la place, recycler les trucs que je n'utilise pas, qui sont de bas niveau maintenant. Contre des bronzes, regardez, j'ai mon tas de bronzes qui monte. Pratique, hein, de pouvoir recycler un peu partout sans être obligé de retourner au monastère notamment, au bazar infini. Ok, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Ensuite on va trier et on va remettre des gemmes. Ça c'est bon. Un petit coup de tri. Est-ce qu'il y a des choses en double, triplon, etc. Ça c'est de la quête, ça c'est de la merde. Est-ce que j'ai des trucs par 3 que je pourrais fusionner? Je pense que j'ai tout fusionné. Ok. C'est là que ça se complique. On a des métachasses. Une. J'ai une métachasse à mettre. Une métachasse. Les métachasses, c'est quoi déjà? Je ne sais plus. C'est les métagemmes. Donc j'en ai une là. On va faire un tri. Hein, sinon, ça c'est tous les utilitaires que je n'utilise pas, comme vous pouvez le constater. Métagemme, 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 métagemme. Ensuite, c'est de la prismatique, j'ai l'impression. J'ai des roues dentées. Roues dentées précieuses, roues dentées, gemme prismatique, prismatique, roues dentées, bricolage. Ensuite, c'est de la bricolage. Ok, alors métagemme, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Équipé vous apprend le sort suivant. Bûcher funéraire confère au lanceur ou à la lanceuse un bonus de force pendant une minute. Toutes les 1 seconde, vous gagnez une charge de buffet funéraire qui inflige des dégâts de feu par charge. Bûcher funéraire supprimé de manière anticipée s'il est activé. Ok. Métagème. Précipice de la folie. Enveloppe les membres du groupe à moins de 40 mètres de vide. Leur conférant un bouclier absorbant les dégâts pendant 20 secondes. Réduisant leur point de vie à 10%. Et réduisant leur point de vie à 10%. Waouh, c'est bizarre. Métagemme, gana du salut. Soigne un personnage allié. Ah ça on s'en fout. Métagemme, unique, Shijili, la grue rouge, vous apprend les sorts suivants. Mais j'ai trop de sorts. Augmente la vitesse de déplacement. Rend sensible au sort. Et pourquoi ça. Pourquoi j'ai. Attends, pourquoi ça me donne autant de. Pourquoi ça me donne autant? En fait je comprends pas pourquoi ça donne autant de skills. Je ne peux pas m'en équiper. Attends, ça a l'air intéressant ça. Attends. C'est pas une monture ça? Augmente la vitesse de déplacement de 50%, rend insensible aux effets d'affectant de déplacement et octroie le sort suivant pendant 20 secondes. Ah ouais, c'est une monture. Étonnant. Métagemme ici, orbe foudroyante, transforme en orbe foudroyante, infligeant des dégâts de nature aux ennemis à moins de 30 mètres en 4 secondes. Lorsque vous êtes sous cette forme, les dégâts subis sont réduits de 50%. C'est pas mal ça, j'aime bien. Bon, je vais mettre ça. C'est mon orbe foudroyante, je connais, je sais ce que c'est. Ça me transforme en espèce de boule d'énergie qui fait des dégâts. Ah, c'est bien. Ok, métagemme c'est fait. Je sais qu'ensuite, sur les pieds, j'ai la roue dentée. Donc on va regarder tout ce qui est en roue dentée. Roue dentée, c'est ça. Roue dentée. Alors, faut faire un tri, c'est un vrai bordel. Roue dentée précieuse. Roue dentée. Roue dentée. Roue dentée.
Roue dentée, il me semble qu'après c'est bon. C'est que du prismatique, du bricolage. Ah si, il y a la roue dentée ici. Roue dentée toujours. Waouh, c'est trop. Arrêtez. Arrêtez. Bricolage, bricolage. Prismatique. Ok, qu'est-ce qu'on a de beau? Roue dentée précieuse. Équipée, vous apprend le sort suivant. Avancée de la mort pendant 10 secondes, votre vitesse de déplacement est augmentée de 35% et ne peut chuter sous 100% de la normale. C'est pas mal ça, pour récupérer, pour rattraper les gens en donjon qui vont trop vite. Un portail pour se téléporter. Vol vers l'emplacement d'un personnage allié proche. Le fufu, je dis jamais. Saut de foi, attire l'esprit d'un membre du groupe de raid, déplace son corps devant vous, non. Permet de faire un bond en arrière, dissipant les effets affectant le déplacement, non. Roulade au sectine de raid sur une courte distance. Vous sautez dans les airs vers la position ciblée, vous y abattez avec une force destructrice et infligée des points de dégâts aux adversaires à moins de 8 mètres. C'est pas mal le bond aussi. Vous téléportez sur une distance de 20 mètres droit devant vous. C'est compliqué ça. Je vais prendre ça plutôt. Avancée de la mort. Vitesse de déplacement augmentée. Un petit boost de vitesse comme ça. Ça peut être pas dégueu. Regardons. Voilà, hop. Pour rattraper les gens en donjon par exemple. C'est pas mal quand tu peux pas sortir une monture en donjon. Ok, ça me plaît bien. Ensuite. Bricolage 1. Prismatique 2. Prismatique 4. Allez, il faut 4 prismatiques. On va les trier. Prismatique ici. Prismatique là. Prismatique là. On va se mettre que des violettes. Hein. Je vais pas mettre du prismatique d'un autre. Ça sert à rien de mettre du bleu. Ça sert à rien de mettre quelque chose de qualité moindre. On va tout de suite viser la high quality. C'est du bricolage. Là j'ai de la prismatique simple. Ah, je peux le. Voilà, regardez. Boum. Cool. Ça fait du bien de faire un tri parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a comme merde. Ok. Donc je peux faire 2 et 2, il me semble, hein, si pas de bêtises. 4 en tout. Donc ici, par exemple, sur la cuirasse, qu'est-ce qu'on a? Polyvalence. Plus plus. La polyvalence, j'aime bien, je mets. Donc là, en gros, je passe à 17%. Vitesse, c'est pour aller plus vite. Ouais. Score de coup critique, c'est pas dégueu, je suis qu'à 17%, on peut l'augmenter. Hâte, ça, là, j'aime bien, t'attaques plus vite. Je mets. Je suis à 27%. Ok, c'est bon. On a 2 prismatiques à mettre ici. Armure, je m'en fous. Ponction. Ponction, j'aime bien. Je mets. Ça permet de récupérer des PV quand tu attaques. Et maîtrise. Ah, maîtrise, j'aime bien. Allez, maîtrise, c'est parti. C'est bon, les prismatiques, c'est fait. Il manque maintenant les gemmes de bricolage à mettre. Sur le stuff, je peux en mettre 3-4, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Énorme. Allez, c'est parti. Donc, la bricolage, c'est plus compliqué parce que les choix est vaste. Je peux en mettre 6. Équiper la corail sanguine. 10% des dégâts subis confèrent 100 curatifs jusqu'à un total de 200% de maximum de points de vie. Toutes les 3 secondes, des points de 100 curatifs sont consommés pour vous soigner si vous avez perdu des points de vie. Ça, c'est bien. Hein, c'est une espèce de heal sur le temps. Passif, je prends. Ensuite, ici je m'en mets 2. Équipé, polyvalence augmentée de 5%. Ça, c'est, j'aime bien. Les membres de groupe de raid à moins de 40 mètres récupèrent 2% de leurs ressources de classe toutes les 3 secondes. J'aime bien aussi. Je me mets une option sur celui-ci. Réduit les dégâts magiques subis de 75%. Redirige le prochain sort néfaste. Ciblant un personnage allié à moins de 40 mètres. Ouais, sérieux. Non. Équipez l'utilisation de votre technique de classe majeure, vos surcharges, ce qui inflige des dégâts de nature et tourne les adversaires. Non. Équipez votre vitesse de déplacement est augmentée 5%. Et vous êtes insensible aux dégâts de chute. Oh, ouais. Ça, j'aime bien. Et on peut augmenter la hâte. Ça, je mets. Parfait. Équipez accumuler des charges statiques toutes les 10 secondes. Se déplacer libère la charge qui soigne les personnages alliés ou blesse les adversaires pour un total de 3 pour les gens, les personnages alliés blessés. Les adversaires subissent un montant de dégâts égal à leur charge statique. Waouh, ça va être compliqué ça. Je le mets de côté, on sait jamais. Équipé 5% des dégâts subis sont accumulés sous forme de martyr sacré, toutes les 3 secondes. Martyr sacré est consommé pour soigner 4 personnages alliés blessés à moins de 50 mètres de la quantité. Mais ça soigne pas le martyr, ça ne soigne pas moi, donc je m'en fous un petit peu. Délivrance. 4% des soins sont accumulés sous la forme de délivrance. Non, je soigne pas, je m'en fous. L'apport de soins à un personnage allié, non, je m'en fous. Les soins reçus sont augmentés, je m'en fous. 10% de vos soins s'accumulent, m'en fous. Toutes les 10 secondes, vous gagnez un bonus de force de 1% par tranche de 5% de points de vie perdus. Mouais.
J'ai une option. Vos techniques impliquent fragile aux adversaires, augmentant les dégâts que vous infligez de 10%. Ok, c'est pas mal ça. Lorsqu'un ennemi affecté par fragile meurt, il explose et inflige des dégâts de JE. Oh, vachement bien. Je mets. Waouh, c'est un peu vénère. J'en suis où? Je peux en mettre encore 3. Quand vous tuez un ennemi, vous explosez. Attends, quand vous tuez un personnage ennemi, vous explosez, ce qui inflige des dégâts de feu aux adversaires et soigne les personnages alliés. Ça, c'est pas mal, j'ai mis une option. Vos techniques de mêlée ont 100% de chance de déclencher 4 à 7 attaques automatiques supplémentaires. Ça, je mets, c'est vénère de ouf. Vos techniques ont une chance d'infliger des dégâts de feu supplémentaires et d'horrifier votre adversaire, je mets une option. Vos techniques ont une chance de déclencher un tir de barrage, je mets une option. Vos attaques automatiques utilisent une portion de votre bouclier d'absorption, on s'en fout. Vos coups critiques déclenchent une explosion ardente qui inflige des dégâts de feu aux adversaires à moins de 15 mètres de votre cible. Je mets. Allez, je peux en mettre encore un. Confère un bonus de 50% en chance de coups critiques pendant 4 secondes lorsque vous infligez des dégâts à un personnage ennemi étourdi. Je m'en fous. Donc, il m'en met... reste encore un. Je vais essayer de me caser. On va faire un top. Une sélection. Donc... quand vous tuez un personnage ennemi, vous explosez, ce qui inflige des dégâts de feu. Ça, j'aime bien, je mets en haut. Toutes les 10 secondes, vous gagnez un bonus de force. Par tranche de vie perdue. Non, parce que je suis toujours à 100%. Accumuler des charges statiques toutes les 10 secondes. Se déplacer libère la charge, qui soigne les personnages alliés ou blesse l'adversaire. Oh, c'est un peu bordélique, ça. Ça, j'aime bien. Vos techniques ont une chance de déclencher un tir de barrage. Je mets là. Vos techniques ont une chance de faire du feu et d'horrifier. Et enfin, polyvalence en montée 5%. Oh, allez, ça, ça sera plus simple. Polyvalence plus 5%. Et voilà, on trie tout ça. Boum! On y voit plus clair. Les amis, j'ai un stuff qui est à 53. Niveau d'objet 53. Et on a tout refait notre stuff. Et bon, on est prêt pour la suite. A très bientôt, bye tout le monde. C'est Kaz.